Abdelmadjid Tebboune a-t-il demandé aux Algériens de France de rentrer en Algérie? C'est une manipulation évidente, mais cela n'a pas empêché la vidéo qui prête au président Tebboune des propos sur les Algériens de France d'être vus des centaines de milliers de fois et le message qui l'accompagne d'être cru par certains. Depuis fin décembre, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, TikTok et X notamment, a prêté au président algérien Abdelmadjid Tebboune des propos qu'il n'a jamais tenus à propos des Algériens établis en France. Le 25 décembre, Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours devant les membres du Parlement réunis en congrès à Alger. Entre autres annonces faites ce jour-là, la réduction de 50% des prix des billets afin de permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger de pouvoir passer le prochain mois de Ramadan en Algérie. D'autant plus que la situation économique là-bas est devenue difficile, a-t-il dit. Le président de la République a aussi promis d'organiser des colonies de vacances en Algérie au profit des enfants des expatriés algériens. Ce qu'a dit Tebboune aux Algériens de France. Quoique ce ne soit pas la première fois que de telles mesures sont prises par les autorités en faveur de la diaspora algérienne, ce passage du discours présidentiel a été détourné dans une vidéo mise en ligne le 28 décembre sur TikTok pour lui faire dire tout à fait autre chose. Sans changer les paroles du discours prononcé en langue arabe, l'auteur de la vidéo l'a accompagné de ce texte écrit « Le président algérien demande aux Algériens de France de rentrer en Algérie. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ?» L'auteur de la manipulation poursuit « Étrangers algériens vivant en France, vous devez quitter la France et rentrer en Algérie et finir les colonies de vacances. » Bien que ces propos ne reflètent pas la traduction fidèle de ce qu'a dit le président algérien, beaucoup d'internautes, notamment français, ont cru que, vraiment, le président Tebboune a invité les expatriés algériens à quitter la France. Dans un contexte de vifs débats et de tensions en France sur la question de l'immigration, la vidéo a suscité de nombreux commentaires racistes des milieux xénophobes et anti-immigration. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.